Et salut tout le monde, c'est Bugdace, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau jeu. Il s'agit bien sûr de Everybody's Gone to the Rapture. Donc jeu que je fais en live actuellement aussi. Et c'est le jeu donc que vous avez voté donc pour que je joue. Sur il y avait quoi? Il y avait le jeu là, il y avait jeu de catch je crois, Gauntlet, Dirt Rally et l'autre je sais plus c'était quoi. Je sais plus. Alors c'est pas grave. Enfin, bref, vous avez voté donc pour ça, donc ça sera pour celui-là. Donc on va regarder les réglages vite fait. Manette. Peut-être toucher R2 pour accéder au glissement. On va explorer, enquêter, interagir. Toujours surveiller, toujours avancer. D'accord. Ne considérez rien comme acquis. Soyez prêt à agir. N'oubliez pas la règle d'or des survivants. D'accord. On va mes outils, je pense c'est bon. Bon. Bah écoutez, c'est parti. Jouez. Everybody's gone to the rapture. Jeu très sympathique, vous allez voir. J'ai vu quelques gameplays, quelques trailers. C'est pas mal. Chargement très lent. Ah, c'est normal, ils cherchent le superbe jeu que c'est. Super graphisme. Et tout et tout. Ici le docteur Catherine Collins. J'ignore si quelqu'un entendra un jour ce message. Tout est fini. Mais non. Il ne reste plus que moi. Mais non. Et à moi aussi. Wow. The Chinese Room. Presents. Présente un super jeu. Everybody's gone to the rapture. Ah, je sais plus à dire quoi le titre. Rapture en fait, c'est Rapture en fait, je sais plus à dire quoi. Mais sinon, ouais, je sais. Je crois que je sais. Tout le monde est parti, un truc du genre. Dans la Rapture. Je sais plus à dire quoi, Rapture. Pour ceux qui connaissent un peu l'anglais, qu'est-ce que ça veut dire Rapture? Rapture. Justement, Opal. Bon, et ben c'est parti. Eh ben on est dans le jeu, on dirait pas, on est dans le jeu, ça y est. Je crois que c'est encore une cinématique. Mais non, on est dans le jeu. N'est-ce pas magnifique? On se croirait vraiment dans une cinématique. Hein. C'est beau, non? Franchement. Entre nous. Pour un jeu que j'ai eu gratos, c'est quand même beau, non? C'est beau. Bon. T'aimes pas? On blase. On blase. Comment ça t'en blase? Ton prénom, tu veux dire? Ah. Oh, je t'appelle comment alors? Juste moi. Slow. Faut ralentir quoi. Pourquoi? Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire du vélo? Non? Pas de vélo? Dommage. Ça, c'est bruit. Je vais continuer à émettre le plus longtemps possible. Si je ne me trompe pas, vous devriez détecter le signal à l'autre bout de la vallée. Oui. L'événement. Il a laissé des marques. Nous ne le comprenons pas encore, mais nous allons continuer à travailler pour tenter d'y arriver.
Utilisez les marques pour trouver ce que vous cherchez. Les marques ? Les réponses. Les réponses ? Elles sont toutes là. Ici, Saka ? Les réponses sont dans la lumière. Lumière ? Ah, il y a de la lumière sur la carte. Non, c'est pas ça de toute façon. Comme tu veux, mais pas par mon prénom, d'accord. Ben justement, alors. C'est nul, justement, j'aime pas. The fuck. 'Cassé là, je crois. Ah, il me semble qu'on peut courir apparemment, mais là je peux pas. Bon, tant pis. Luffy, quoi Luffy, quoi Luffy. Ah, il y a un téléphone qui sonne. C'est bien Kuffy. What? Kuffy. C'est ma PDP. What the fuck? Ça veut dire quoi ça, ma PDP encore? Là, j'entends. Quelque chose, là, c'est ça. Ceci est une annonce spéciale du Comité Général des Mesures d'Urgence. En raison de circonstances exceptionnelles, les stations de radio et les chaînes de télévision ont été placées sous le contrôle du CGMU, comme le prévoit la loi de 1982 sur la préparation aux situations de crise. Laissez vos postes de radio et de télévision allumés en permanence. Restez chez vous et évitez tout contact humain. N'essayez pas de téléphoner en dehors de votre région. Ne cédez pas à la panique. Soyez calme et civilisé. Restez à l'écoute pour plus d'informations. The fuck? Comment ça là? C'est quoi? C'est un truc de zombie ou quoi? Photo de profil. Ah, Luffy. Tu veux que je t'appelle Luffy? Mais Luffy, c'est avec deux F, normalement. Y'a quoi là? Y'a rien. En plus, Luffy, c'est un mec. Tu veux surpé ton identité, c'est ça? Usurpation d'identité. En direct, live, sur Shin Boy Days. Ouais. Je peux pas aller là. Pourquoi? Je peux le voir? En vrai, j'aurais fait tag life, hein. J'aurais sauté au-dessus. Hein. Donc j'aurais donné un gros coup de pied, genre boum. Faut monter là, je pense. What? Attends, c'était quoi ça? Il y avait un truc bizarre là. Non? Vous avez pas vu un truc bizarre? Je peux voir un truc bizarre. Si, il y a des trucs bizarres là, c'est quoi les trucs? C'est quoi ça? Attends, Frank. J'essaie de faire mon boulot. Vous serez les deux seules personnes sur le site pour ce roulement. Je dis simplement que si le portail principal n'est plus alimenté, il sera impossible d'entrer ou de sortir de l'observatoire. C'est pour ça qu'on a des générateurs de secours. Bon sang, mais pourquoi est-ce qu'on parlemente là-dessus? Ne venez pas demander mon aide si vous vous retrouvez enfermé. Si on se retrouve enfermé, je ne vois pas comment on viendra vous demander de l'aide. On se charge de réfléchir, et vous, vous vous chargez de balayer les feuilles et de changer les ampoules. Hein, ça vous va? Allez, maintenant partez. Petit con. Ce n'était pas justifié. Ce n'est pas parce que tu es fâché contre moi que tu dois t'en prendre à tout le monde. Kate, est-ce qu'on peut en parler? Non, Stéphane, j'en ai assez. Je veux juste partir d'ici et ce soir, c'est notre meilleure chance. Prépare l'installation optique, je vais à la tour 6. Kate. Je t'aime.
Tu le sais, non? Oui, je le sais. Allez, d'accord. Commençons. C'est quoi le délire là? Je vois mon passé, c'est ça? Qu'est-ce que ce bordel? Parce que Kate, c'est moi Kate en fait. Sauvegarde! Waouh! Première sauvegarde du jeu, ça rigole pas. Bah ça y est, je suis passé de l'autre côté. Finalement, pas besoin de faire le tag life. Il suffit de contourner. Ah c'est quoi ça? Encore un truc bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Jérémy? Comment ça Jérémy? The fuck? Reviens! Reviens petite lumière. On peut pas courir. C'est dingue ça. Pourquoi je peux pas courir? Qu'est-ce qu'il me fait la lumière? Eh bien, on peut dire qu'ils ont vraiment l'air de prendre cette histoire de quarantaine très au sérieux. Si Madame Button est partie par là avant qu'ils ferment la route, on ne la retrouvera sans doute jamais. En tout cas, pas avant que tout soit revenu à la normale. C'est tout de même très étrange, enfin. On est dans la vallée d'Yoton, bon sang. Ils n'avaient pas besoin d'être aussi durs. S'ils sont assez inquiets pour en arriver à fermer toutes les routes, j'imagine qu'ils ont de bonnes raisons de l'être. En tout cas, une chose est sûre, pour l'instant, personne ne va nulle part. Mais il avait un fusil. Un soldat avec un fusil, dans cette région. Le monde est devenu fou. Je suis bien tentée d'écrire à mon député. Bonne idée. Je tâcherai de lui remettre la lettre en personne, une fois que tous ces barrages seront levés. Allez, viens. Je ne vais pas passer ma journée à courir après les retraités de toute la vallée. Le cabinet ne va pas s'ouvrir tout seul. Il faut aussi que j'aille chercher du paracétamol. J'ai un de ces mal de crâne d'un coup. What the fuck? Jérémy? Je suis drôle. T'es drôle? Bon, si tu veux. Je peux pas? Non. Je peux pas. On a Vauxtown. Putain, on se croit en Angleterre avec les cabines et tout. Je crois qu'on est en Angleterre en fait. Est-ce que je peux aller là-haut? Paris, je peux pas. Ouais, c'était sûr. Bon, allez, on se fait le petit clip de. Comment ça fait encore ce truc? La petite maison après. Nanana. Non, c'était pas ça, mais c'est pas grave. Encore? Il faut qu'on arrête de. Faut arrêter de m'appeler là. Oh le sac! De couchage. Qui est là? Allô? Kate, si tu entends ça, il faut que tu coupes l'installation optique. Elle utilise l'observatoire comme intermédiaire pour nous atteindre et a déjà commencé à se répandre au-delà de la vallée. Kate, on ne peut pas prendre ce risque. Elle gagne en puissance. Je vais appeler Clive et le forcer à ordonner une frappe aérienne. Je ne vois pas d'autre solution. J'espère que ça marchera. Allô, vous m'entendez? On a besoin d'aide! Qui est à l'appareil? On s'en raccroche! What the fuck? Qui est dans le téléphone? Dans tous les téléphones? The fuck? D'accord. Ah, du gibier. Du gibier, pas loin. Faut chasser le gibier. Comment ça? Je peux pas faire ça. Je peux pas me niquer, c'est pas possible. Ça existe pas. C'est physiquement impossible. C'est bizarre. Faut chier la lumière en fait. Ah, y a des choses. Des choses. Thank you.
Bah non, je vais pas essayer quelque chose qui est normalement impossible à faire. Même pas si possible, je le ferai pas. On va faire quoi avec ce truc là? Je comprends rien. Bon. What? Ah bah voilà. J'ai trop vite en fait, je crois. Sois pas si dur envers toi-même. On a tous eu des refus. Non, toi jamais. Oh, allez. Il suffit de regarder les chiffres, de resserrer les données et de recommencer. Ton idée principale est bonne, ce n'est qu'une petite erreur de calcul. Ah, ne me fais pas la leçon. Je ne te fais pas la leçon. Vous êtes un homme brillant, Dr. Appleton. Écoute. Je suis là, d'accord? On est ensemble, toi et moi. Le grand alignement, c'est demain. Il est pour toi. C'est toi qui as saisi cette opportunité, qui a fait les calculs. Même s'il ne le voit pas. Je suis fière de toi. C'est censé me faire me sentir mieux? Stephen. Vois le bon côté des choses. Ici, tu es un héros. Le retour du fils prodigue. Je suis surprise qu'il n'ait pas encore érigé une statue en ton honneur, d'ailleurs. Eh, rigole autant que tu veux. Je suis sûr que le conseil paroissial a déjà une équipe qui s'y a fait. Bienvenue à la maison, Dr. Appleton. Touché. Ok. Je suis la lumière là-haut. Il y a des jeunes qui sont passés par là. Sauvegarde. Je peux passer là? Il n'y a rien là. Ah si, je peux. Ok. On fait quoi ici? La vie est rose. Les oiseaux chantent. Ah, ils vont me faire passer par là, obligé, non? Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est une tente, ça? Ouais, c'est une tente. Camping. Pas camping. Pique-nique, plutôt. Vélo. Très stylé, à l'ancienne. Ça, c'est vélo à l'ancienne, ça. J'ai coupé la radio. C'est extraordinaire. Cette histoire me rappelle le lycée, lorsque j'ai vu Mars pour la première fois. Je ressens la même excitation. J'en ai les mains qui tremblent. D'accord. The voice of the stairs. Yeah. Bonjour. Non, personne. Y a-t-il quelqu'un? Non. Bon, oh, merde.
Waouh. Non, je préfère le rapport, je voulais lire. On peut pas lire. Bordel de merde. Là, les textures sont vraiment, vraiment bien faites. Oh, ça fume là. Il y a quelqu'un qui était là ou quoi? What the fuck? Je parlais hyper lentement? Ah bon? Comment ça je parlais hyper lentement? J'ai pas compris. T'as tu fais des bruits toi? La montre? À l'horloge? Je peux passer là. Je suis trop gros quoi. Ok, je suis trop gros. Tant pis. D'accord. On va voir si on peut aller dans les chiottes. Je sais pas ce qu'on foutrait dans les chiottes, mais bon. Oh, maintenant on peut pas. Je suis trop gros encore une fois. On va décider en perso. Pourtant c'est une fille hein. C'est qui a gagné là? C'est A ou c'est R? Je sais pas. Bref, on s'en fout. À quel moment je parlais lentement? Parce que je le rappelle pas. Quelqu'un de radio, je crois, là-haut, non? Private parking for customer online. Oh yeah. Je continue de chercher, mais ça n'a aucun sens. La zone où nous avons récupéré le motif n'est plus localisable avec le télescope. C'est impossible. Tout est au ralenti, c'est normal? Ah non, c'est pas normal, non? Moi, mon live, il tourne bien, là. Ça doit être chez toi, je pense. C'est de relancer, au pire. Bon, j'ai pas, du coup j'ai pas fait gaffe à ce qu'elle a dit, mais bon, ça va pas être très important, je pense pas. Tu peux pas ouvrir la voiture? Non? Bon. Tapis. Ah, là c'est ouvert là derrière. Enfin, de côté. Faut pas ouvrir là, hein, non? Il y a quoi là? Que dalle. Vous savez, il me considère également comme un étranger ici. C'est censé me consoler. Je sais que c'est difficile, je fais juste une remarque. Vous et vos semblables à l'observatoire n'avez jamais réussi à vous intégrer aux gens du village, et eux ne comprennent pas votre travail. Vous essayez de me faire venir à l'église? Cela n'a rien à voir avec l'église, il s'agit de la communauté. Impliquez-vous, faites des efforts pour vous fondre dans la masse. Bonjour, mon père. Belle journée. Ah, bonjour. Madame Appleton, c'est ça? C'est Dr. Collins. Une femme scientifique. On n'arrête pas le progrès. Bonjour, Barbara. À plus tard, mon père. Vous pensez sincèrement que je pourrais me fondre dans la masse un jour? Qu'il me dévisage, d'accord. Mais qu'il ne reste pas sur mon chemin. On calme. Trop bizarre. Bon, la lumière, elle fait quoi, là? Ça veut dire que je dois aller là-haut. Eh, mais c'est grand, hein. Je trouve que j'ai pas le temps, là, d'aller jusque là-haut, moi. La lumière, je sais pas ce qu'elle fait, mais... Elle va un peu partout, en fait, la lumière. Ça s'amuse. Bah, moi aussi, je m'amuse. Je vais visiter, hein. Après tout, le but, je crois que c'est de visiter le jeu, non? On a le temps. Giveaway. Giveaway, giveaway, non, pas envie. Ah, peut-être là, est-ce qu'il y a un truc là? Non, il y a du son, j'ai l'impression, non? C'était pas du son sur la. Sur le siège? Bah, si, c'est du son ça. Bizarre.
Mais putain, c'est... C'est chiant. C'est chiant. Attends, je vais garder un truc. Alors. On va aller par là. Il y a une mère qui me dit d'aller vers là-haut, mais je vais pas aller là tout de suite, je vais aller là d'abord. Voir ce que je peux faire. C'est joli ici. Je peux aller partout en fait, un truc de fou. Ah, peut-être pas partout, mais. Je peux aller dans beaucoup d'endroits. Jérémy ? Quelqu'un ? Oh, Amanda, je croyais que vous étiez partie. On a essayé. On a vraiment essayé. Mais ils ont fermé toutes les routes. C'est impossible de passer. Et après, Georgie et Benjamin ont dit qu'ils avaient mal à la tête. Et ils ont commencé à saigner. C'était horrible. Ils étaient paniqués. Alors, Neil a fait demi-tour. On a vu que les portes de la maison étaient ouvertes. Alors, je sais qu'on n'aurait pas dû, mais on est entré pour débarbouiller les enfants. Et on a commencé à saigner, nous aussi. J'en ai partout sur mon chemisier. On était tous exténués. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Essayez de vous calmer et dites-moi où sont Neil et les enfants. Ils sont à l'étage. Ils étaient fatigués. Et Neil a dit qu'ils pouvaient se reposer un peu dans le lit. S'est dit que ça dérangerait pas Barbara. Ce sont des enfants. Moi aussi, j'étais épuisée. Alors Neil les a emmenés à l'étage pour les mettre au lit. Et après ? C'était il y a 6 heures. Il est jamais redescendu. J'ai trop peur d'aller voir ce qui a bien pu se passer. Et si on allait voir ça ensemble ? Je peux vous tenir la main si vous voulez. Oui. Je crois que je vais le faire, oui. Vous voulez bien venir avec moi ? Bien sûr que je viens avec vous. Neil ? Neil, vous êtes là ? Là, pas en live là. Putain, je peux ouvrir toutes les portes quoi. Non, pas tous. On va monter, on verra bien. Merde, je peux ouvrir. Un piano. Faire du piano. Non, voilà, dès. J'ai vu là. Ah d'accord, ah je peux allumer une lumière et tout. Bien. Stylé. Par contre, on ferme les portes normalement. Cool. Bon, j'allume toutes les lumières. Bon. J'imagine que c'est là qu'il faut aller. On va aller là d'abord. Si on peut, non, on peut pas. Merde. Bon bah tant pis. On va aller au fond alors. Non, donc c'est bien là. Ah ouais, j'ai du son. Il y a du son, il y a du son.
Je peux pas interagir là. Non, il a l'air d'avoir des trucs volants là. Bon, bah tant pis. Bon, c'est possible. La lumière a du mal à se mettre, j'ai l'impression. Ah, elle déconne en fait la lumière. Ah oui, elle déconne. Faut jouer à la lampe là. Hein. Elle bug. Bon bah on descend, y'a rien à faire en fait. C'est pas cool là. On a quoi une minute de vidéo là? Presque. Ah, je sais pas, on est à combien? Passé 30, je pense. Bon, en tout cas, il y a les droits. Très mystérieuse cette. Cette ville. Surtout, il y a un délire avec le téléphone. Un délire d'ultrason ou je sais pas quoi. Pas aller là, je parie. Merde, je veux y aller moi. Il va se passer un truc ici. Je pense. Pas sûr, mais. Si, il va se passer un truc là. Et de la lumière. J'ai vu ce que vous avez fait. Ne m'approchez pas, restez où vous êtes. Quelle propriété privée, tu fais peur à tout le monde. Elle est partout dans le village. Elle a tout infecté si vite. Mais de quoi tu parles? Elle se déplace dans les fils électriques. Vous avez perdu la raison. Où est Kate? Que lui avez-vous fait? Vous ne comprenez pas. Elle contourne la quarantaine et elle s'adapte. Donne-moi ce pot de peinture, donne-le-moi, Appleton. Non, recule. Ça m'a arrêté. Espèce de sac, donne-moi. C'est le mien. Donne-le-moi. J'en ai besoin. Putain, c'est quoi ça? Oh non. Elle commence à se manifester partout. Stephen, revenez! Oh mon Dieu! What the fuck? Bizarre. Sauvegarde. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour la première vidéo sur Everybody's Gone to the Rapture. Et par contre, on continue live, bien sûr, et on va enchaîner une deuxième vidéo. Donc voilà. Donc j'espère que pour cette première vidéo, ça vous aura plu. Jeu très mystérieux. Et donc, on se retrouvera très prochainement pour la suite. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.